Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sur la télévision nationale d'Haïti dans le sens. Son plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Matin, on va regarder réalité, pouvoir judiciaire avec un monde qui bien connaît et dans le secteur qui est dans le système, ça fait bon temps pour aller de nous faire radiographie système. Nan, et puis, ouais, qui ça, perspective capable, qui ça, recommandation capable, surtout, gagner un nouveau gouvernement qui apparaît pour arriver là. Et c'est maître Jean-William Morin, juge d'instruction de son état. C'est avec lui. Nous prenons la batte bouche matin, la mise au point. Magistrat, son plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Bonjour Sergino, bonjour à tous les téléspectateurs qui ont suivi M. Sassa. C'est un plaisir pour ce plateau ça avec vous. Je vais rappeler le président de l'Association nationale magistrat haïtien, ANAMA. Si nous avons présenté ANAMA, vous avez regardé la zone d'Abdi, magistrat. Bon, ANAMA, c'est, comme vous dites, c'est l'Association nationale des magistrats haïtiens qui regroupe tout juge. Tout ministère public, commissaire gouvernement, donc qui était créé à l'école de la magistrature, ça a gagné plusieurs années, date là échappement. Et c'est une association qui, comme un syndicat, qui pour porter revendications magistrats et fait débat qui pour permettre d'améliorer le fonctionnement du système judiciaire là, dans le pays. De l'ANAMA, là, je dis à qui ça nous prenons, nous y voter comme contribution. Ah oui. On a apporté en pile contribution. Premièrement, c'est une institution qui contribuait à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Bon, indépendance entre guillemets jusqu'à présent. Mais si ça arrivait fait là, c'est et grâce à l'Association nationale magistrat haïtien, qui c'est pionnier de l'association, qui a même montré que pour un juge indépendant, une des premières bagailles, les patates doivent dépendre du ministère de la Justice. Ça vient porter création de CSPJ. Aujourd'hui, ce n'est pas un ministre de la Justice qui c'est un homme politique, un homme d'État, mais aussi un homme politique qui est lié avec un pouvoir, qui est lié avec un gouvernement et des fois qui est lié avec un parti politique. C'est lui-même qui l'a qui pour étudier le dossier juge là et mander président pour les commissions présidentielles pour nommer juge là. Je dis, ah, c'est pas ça, c'est CSPJA qui l'a pour faire étude dossier juge là et qui pour voir le dossier juge là bail à ministre lui-même qui s'est servi seulement en courroie pour le transférer le dossier à, et au palais national pour la commission. Donc c'est une première étape. Deuxième étape là, juge autrefois pas de possibilité pour te bail 10 ans yo, parce que tu peur pour que yo pas perdu job yo, yo pas capable faire de commentaires sur le pouvoir judiciaire là à fonctionner, yo pas capable tout et parler de gens loyaux. Yo toujours pensé que les juges là en politique, donc juge là lui-même n'est pas capable dit écoutez, il faut changer ça. Depuis que tu as dit ça, il a prévoqué. Il a transféré. Je dis ah, il n'est pas capable de faire ça. Parce que bon, CSPJ qui l'a pour réguler et sous ta fait ça tout, et association magistrat, il a monté au créneau et il a contesté lui et il est capable d'aller jusqu'au côté ça t'a dû arriver pour aller pour que il n'ait pas fait magistrat abus. Autre chose, je dis encore, ANAMA avec quelques autres associations de magistrats, nous avons réfléchi sur tout le royaume, nous avons de livre que magistrat a écrit, il y a deux articles que magistrat a fait paraître dans les journaux qui permettent que yo gagne l'autre l'idée de la justice en général, de la magistrature, mais de la justice en général et qui permettent gon évolution et quand même dit sous permettre gon révolution et qu'a fait au niveau de la justice en Haïti, je dis. Malgré tout ça, yo perception était son système pas marché. Qu'est-ce qu'on a dit? Bon, comme on dit les Sergino, son perception. Mais pour voir si le système n'a pas marché tout bon vrai, faut qu'on entre dans le système, il faut faire radiographie système, il faut qu'on parle avec le système. Non. Et puis il faut arriver où est tout, qui ça qui blocage en dans le système, non. Qui ça qui fait le système n'a pas marché. Donc vous-même, ça va bien, vous la réussissez en Haïti? Mais non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais ça ne veut pas dire que le système n'a pas marché. Il a marché mal. Il a marché très très mal. Mais ça ne veut pas dire que le pape marche. Ça fait la marche mal, justement. Le système n'a pas marché mal,
il y a plusieurs et bagay qui cap expliquer ça fait système là machinal. Premièrement, je dis on capable dire et formation cap bayo et yo pas répondre à réalité là. Parce que en pile et professeur qui a enseigné, en pile ouvrage que n'a utilisé, je dis à c'est des ouvrages qu'il a longtemps et que la justice dans le monde entier a évolué. Nous-mêmes, pour que la justice a évolué, il évolue avec le corps social, il évolue avec et tout ça qu'a fait en termes de développement économique, développement technologique, développement humain, tout ça qu'a fait. Je dis, par exemple, nous avons Internet, nous avons Extranet, nous avons bonne lotte et évolution qui fait dans le monde et que nous arrivons et à utiliser en Haïti. Mais nous pouvons vraiment gagner de véritables outils qui pour permettre que les outils, par exemple la loi Souyo, qui pour permettre que nous vraiment et entrer technologie ça dans la justice pays. Non. Donc ça, c'est un problème qui existait, l'enseignement, nous en retard par rapport à elle. Deuxièmement, l'autre problème que nous gagnons, c'est que bon problème d'investissement qui n'est pas fait au niveau de la justice. L'homme dit investissement, il n'y a pas pouvoir et justice là de moyens pour le fonctionner. Alors, nous sommes parlé tout à l'heure là de Internet, nous sommes parlé de technologie, nous sommes parlé de développement humain. Mais écoutez, lorsque vous remettez un tribunal, vous remettez un magistrat un dossier qui gagne tout ça, nous se dit là-dedans, il faut qu'il y ait moyen pour le capable de faire. Or, je dis à système noir n'est pas informatisé. Système noir n'est pas automatisé. Ou imaginez, et je dis à si ou même on descend dans le tribunal de première instance, de pas au presque plus capable de lui, ou allemand donc casier judiciaire. Au casier judiciaire, oui, il est capable de prendre quelques anciens cahiers, il est capable de prendre quelques anciens registres, il est cherché pour ouais, sur pas de fonds infraction. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le casier judiciaire, la joigne et confiance certaines institutions, soit même locales ou internationales. Et ça fait des fois recourir et à la police judiciaire, qui est même plus ou moins pourvu en matière ça, dans le domaine ça, qui est capable de un certificat de police, c'est lui que peut-être les ambassades font crédit. Or, la loi, c'est pas la loi dit ou c'est casier judiciaire là qui peut dire exactement qui est monoyé. Donc, est-ce que. Je ne vais pas rentrer dans le système là, mais non, on ne va pas gêner parce que le système n'est pas informatisé. Donc, c'est un problème de moyens. Donc, pour qui ça, je dis, si on est commettre une infraction, Jérémy, on est commettre une infraction au Cap, mais l'arrivée n'est pas au de paix, on ne peut pas rentrer dans le système non, pour qu'il m'en ait. Or, au monde qui doit venir côté un juge à la gueule, mais son grand bandit Jérémy Lié, il était condamné déjà. Donc, c'est déjà un problème de moyens. Et le tribunal n'est pas interconnecté. Le tribunal de première instance, par exemple. Le tribunal n'est pas interconnecté avec prison centrale là, il n'est pas interconnecté avec la police. Et le tribunal là, entre eux, il n'est pas interconnecté. Alors, même CSPJ n'est pas connecté avec le tribunal. Là, c'est quand même un élément difficile. Et c'est un élément de blocage. Donc, il y a toujours jeté problème de dysfonctionnement ça sous magistrat. Mais ce n'est pas magistrat qui l'a. Qui pour bailler et tribunal là moyen pour fonctionner. Gagner CSPJ qui là, gagner ministère de la justice qui là, gagner pouvoir exécutif là, c'est lui qui fait budget, gagner parlement, c'est lui qui sanctionne budget. Hein. Donc il y a là pour être capable pouvoir, disons bail pouvoir judiciaire là moyen pour fonctionner pour faire que le système devienne fluide, il est capable et rapidement bail et service que justiciable a demandé. À côté des outils, tout qu'on parlait de moyens financiers qu'a joué un juge tout qui compte parfois fait que pas qu'à répondre à tout ça qu'a demandé et moyens financiers qu'a joué un juge. Oui, par exemple salaire et moyens pour fonctionner. Okay. Et matériel roulant. OK. Oui, alors faut me dire que et ça, il y a payé magistrat en termes de salaire, c'est une misère.
c'est en misère. Et l'Europe garder le coup de la vie. Et ouais que si magistrat les Québécois li, c'est parce que c'est des hommes et des femmes qui respectent tête et qui voulaient et font travail pour permettre que population ait confiance dans eux. Mais c'est pas parce que ils mettaient magistrat la condition pour le ta fonctionner avec toute intégrité sans parler de corruption. Donc ça. Il faut corriger et j'espère que qu'ils vont corriger parce que c'est un objectif nous dans le directoire de l'ANAMA pour nous pousser et les autorités concernées pour être capables de payer magistrats et un salaire raisonnable qui vous permette que ils fonctionnent normalement. Mais j'ai dit tout à l'heure vous quoi de mettre Morin et faut choisir tout. Tu fais un choix, besoin assumer. Est-ce que sans raison, si vous parlez sans attendre, vous pas faire travail tout correctement? Non, 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 non. De pour vous accepter et pour entrer dans le système, non, pour venir magistrat, salaire y a et pas qu'à empêcher au travail. Salaire y a là pas qu'à dire pour faire corruption. Il pas qu'à une motivation de corruption. Ou pas qu'à dire que son prétexte, pas en motivation, mais pas qu'on prétexte pour entrer non c'est le bagage qu'on pas t'a dû rentrer. Cependant, ou bien pour obligation, pour exiger de meilleures conditions de travail. Alors, on a la naturalité par rapport avec les ressources humaines qui sont dans le système. Non. Il y a un qui croit que le vetting n'est pas fait trop souvent, mais le vetting n'est pas fait. Qui t'a aidé à épurer le système non, avec des gens qui inspirent confiance et qui sont capables d'aider dans le fait que nous avons qualité de la justice. Et ça dit. Oui, CSPJ a fait un travail qui est très important. Il a commencé à faire la certification des magistrats. Et ne pas oublier que ce n'est pas CSPJ qui mettait ni association magistrale qui fait qu'il y a des monde qui entrent dans le corps là, qui n'ont pas de droit d'entrer dans le corps là. J'ai les années, depuis l'année 2000, pour me prendre le plus près de nous, en plus, le monde qui entrait dans le système, non, c'est à la faveur de acquaintance politique, de gagner avec le monde. Et faut que nous pas peut dire ça. Surtout, le monde qui entrait comme ministère public, qui entrait comme commissaire gouvernement, substitut commissaire gouvernement, des fois, on a fait sortir dans l'école de droit, il y a des gens qui ne connaissent pas le temps et remettre mémoire, il y a des gens qui, même pour qu'on finisse, et puis les jeunes ont. Homme politique, soit un parlementaire, ou du moins un autre monde qui est politique, qui permettent que vous entrez dans le système. Vous entrez dans le système pour plusieurs raisons. Par exemple, moi, tendez dans la radio que quelqu'un est très prochainement des élections. C'est au moment qui toujours bail et monde qui est en politique et qui baille et commissaire qui baille et ministère de la justice et même et d'autres entités dans la justice et pression pour entrer de monde pour qui pour permettre que yo et fait élection yo. Parce que si ou gen commissaire gouvernement nan yon juridiction ou gen juge de paix ou et qui est favorable à et sorgen comme programme politique et donc il a fait tout ça le connaît et des fois fait mauvais constat, des fois arrêter monde qui va d'adoui arrêter pour être capable permettre que candidat gagne élection. Donc c'est peut-être ça que qu'on fourrer de monde que on pas doué fourrer en dans système là. Et de monde ça sans formation, monde ça sans expérience, monde ça c'est pas de monde qui t'en en dans système là. Je dis à avec CSPJ, bah, elle n'a pas qu'à faire le même genre que la fête là. Et ça fait me dire que faut me voir un gros coup de chapeau pour ANAMA, pour différents et présidents ANAMA, et particulièrement pour magistrat Durette et que moi remplacé, qui te font gros bataille pour que moun ne pas rentrer n'importe qui gens en dedans. Système. Nan. Donc, oui, certification en l'idée est faite. Les gens qui ne sont pas dans le système, il faut mettre le yon. Je dis à ça, fait, mais tout. Mais vous pouvez dire que vous prenez trop de temps pour être signé. Vous ne faites pas faire à temps, vous ne faites pas faire dans l'heure, vous faites.
Bon, pas oublier que CSPJA, c'est une institution très jeune. Il faut le prendre pile temps, faut le prendre temps qu'il faut pour lui-même, pour le asseoir tête li, pour le structurer tête li, pour le mettre toute salle de douée et gagner, jusqu'à ce que l'été vienne arriver et gagner toute indépendance que le tableau gagne. Malheureusement, pour qu'on gagne toute indépendance. C'est même que l'oiseau marche, il montre qu'il a des ailes. Oui, mais ça fait, je dis, parce que, pas oublier dernièrement, ouais, que CSPJ te mettait dehors et on liste de magistrats qui n'ont pas d'autorité dans le système. Non, ils ont évoqué, ils ont mis un bon magistrat dehors dans le système. Donc, je pense qu'ils ont fait travail. Et association de magistrats, particulièrement Anama, et nous baissons CSPJ en pile pression, nous écrit lettre, nous rencontrer avec elle, nous fait des pétitions, et je dis à travail à commencer. Parce qu'en plus, on n'a pas eu de système, non, c'est de ça qu'on fait allusion, général. On dit, ah, qui juge qui va contre ça, fait, juge corrompu, juge qui a besoin de la justice, c'est de ça qu'on parle, vous entendez ça tout, et mettre pour rien. Oui, il dit qu'un pile juge qui a besoin de la justice. Il dit qu'un pile juge qui corrompu, mais on pas dit qu'un pile juge qui travaille bientôt. Donc, parce que l'on juge, les juges travaillent bien, il faut le dire ça tout. Donc, je dis à oui, il faut que vous mettez juge que vous estimez qu'il y a de la justice dehors, juge qui corrompt dehors, mais tout juge qui travaille bien et tout, il faut que vous dites ça. Mais, bon, je voulais souligner pour téléspectateurs, je dis à. Gain de juge, je dis qu'il y a de la justice, c'est parce que moun li font perception de justice. Li getan fait décision en tête li. Or, si c'est pas ça la loi dit, juge a décidé contrairement à ça lui-même li te pensé ya. Donc, li dit que c'est comme juge la prend, mais il va pas faire preuve que c'est comme juge la prend. Comme ça tout dit quand puis juge que et juge ça c'est juge tel parti politique, juge ça c'est juge tel pouvoir politique, juge ça c'est juge tel monde. C'est ça parce que les juges l'a décidé. L'idée de décider selon eux-mêmes, et juge la décider selon la loi, et puis ils juge la portée en bagaille, qui c'est pas ça lié. Donc, oui, il y a un juge qui n'est pas bon frère, mais dans pile fois tout, c'est de diffamation qu'on fait sur le juge-là, parce que le juge n'a pas décidé, Jean est avelé, le juge a décidé. Mm-hmm. Bon, moi-même, je ne m'attendais pas, mais peut-être qu'il y a deux monde qui t'a dit que juge Morin, et c'est juge qui fait, c'est juge tel monde, c'est juge tel secteur. Vous comprenez Abdoulaye, il a dit ça. Parce que. Parce que là où vous voulez décider, vous voulez décider dans tel sens, mais vous même décidez selon la loi. Parce que là, quand même, comme vous venez là, on parle de tout faire rapide. Parce que généralement, on traite un peu le gros dossier, entre guillemets, si vous avez parlé de gros dossier. C'est sûr que si vous avez des commentaires que vous avez fait sur eux, vous avez parlé et tout le monde attendait. Bon, et. Mais ce choix, tout, ce choix, peut-être des canards, ou que c'est des dossiers fragiles que c'est vous traitez. Écoutez, tout dossier c'est le même dossier, pas un gros dossier, pas un petit dossier, tout dossier c'est le même dossier. Et comme tout le monde est même niveau devant la loi, nous pas ouais monde qui dans le dossier, nous plus ouais infraction, citoyen et puis la loi. Parfait. Là, l'élément encore toujours posé, maître Morin, c'est expertise, parfois juge au compte bancaire sur des dossiers, par exemple, crime financier. Je crois par exemple, mon système non, qui outille assez pour mener un dossier sérieux. Et ça tout pas un problème et dans la façon système de fonctionner aujourd'hui. Il y a plusieurs spécialisations dans le travail qu'un juge capable de faire. Par exemple, juge pour enfants, son spécialisation. Et juge pour question couple, son spécialisation. Juge référé, son spécialisation. Donc, juge et crime financier, c'est une spécialisation. Cybercriminalité, je veux dire, Cybercriminalité, je veux dire, son spécialisation. Et cependant, il faut nous dire que toujours gain de formation pour magistrats et capable de faire connaissance avec infraction ça yo, nouvelle infraction ça yo, et nouvelle découverte qui gagne dans infraction ça yo, parce que pendant que la justice a travaillé, l'a cherché, et réseau criminel a travaillé tout, et système ça a travaillé tout, criminel a travaillé. Je dis à on est autrefois on est c'est dans nuit les comptes cassés caillou, mais je dis à li, et c'est la journée nous faire les bons gens. Li fait li. Et je dis à nous mettre caméra, mais aux gens que
contourner caméra pour entrer la caillou. Autrefois, on a ces mots sur bouteille qu'on mettait sur mur la caillou. Mais je dis, on a besoin de l'autre bagaille pour mettre parce que l'industrie crime, la travaille tout. Donc, ça fait que les magistrats doivent faire son formation continue, ils bail magistrat pour être capable de traiter les questions. Mais à côté de là, soudi on juge les spécialisés dans le crime financier, mais ils ne sont pas comptable agréé, ils ne sont pas un administrateur, ils ne sont pas un gestionnaire. Donc, l'aile gagnant et un dossier comme ça, il faut faire référence à des experts et dans le cabinet, li, ou du moins des experts assermentés qui sont capables lui-même. Et l'aile dit assermenté parce que les dossiers et les mouna fait instruction, on a un secret de l'instruction. Sous rentrer au monde en dans instruction, il faut être capable de garder le secret de l'instruction. Donc, laisse ça, ou capable de faire référence à tout ça qui pour bonne expertise, qui pour permettre de traiter le dossier avec science. Pour que ou pas et fait mon abus et dans le dossier ou même on fait question et interprétation de la loi les mêmes les capables de donner ça fait que lorsqu'on a un monde qui mourit et ou doit protéger celle de crime et ou doit un médecin légiste qui les mêmes médecins légistes là sont monde qui ont spécialisation qui pour dire à partir de l'autopsie à partir de ceci de travail médecine que le fait ce cadavre là et pour le dire mais qui route pour prendre avec dossier. Est-ce que ça fait gagner des dossiers qui traînent puisque pas gagner moun sa yo qui forcément cadre juge nou yo qui fait dossier ça en pile dans dossier traîner et... Oui, bon. Pas grand pile moun qui est qui est disponible jodi a pour question ça. Mais c'est pas parce que pas gagner expertise là dans pays a. Gagner expertise dans pays a. Grand pile et haïtien qui est à l'étudier soit dans l'université bon ici ou dans l'université à l'étranger qui est disponible pour bailler expertise ou pour gens de travail ça. Cependant pas de moyens en dedans et la justice là qui est disponible une forme de que dans tout pouvoir c'est pouvoir qui n'est pas traité bien du tout ouais. Pas mettre budget pour lui et petit budget yo mettez pour pouvoir judiciaire là il va même qu'à arriver payer et normalement et personnel là on pas besoin de dire pour ta jeune corps pour ta investi dans la médecine légale pour ta investi comme financier pour ta investi dans maltraitance pour petit monde pour ta investi dans l'autre spécialisation que nous t'a besoin pour faire système de marché normalement. Par exemple la Rondo c'est qui a l'autre du jour bon c'est ce que on va pas faire trop commentaire sur lui si il veut nous on va prendre le dossier Petro-Caribé maintenant il y a pile parole pile qu'a fait autour de lui il y a monde qui croit que je dis à faut que la justice se dit un mot par rapport avec tout ça qu'a parlé que finalement le mot du doigt placé monde qui pour qui coupable pour qu'on ait monde qui pour pas qui n'est pas capable de connaître. Dans un dossier comme ça, est-ce qu'un juge qui va travailler sur lui n'a pas besoin d'appui des experts dans la question de comptabilité, dans l'administration, pour t'aider à mieux comprendre ni décider par rapport avec tout ça qu'a dit là? Permettez-moi de dire que la loi n'a pas besoin du tout provision pour me prononcer sur un dossier qui est en cours. Okay. Et quel que soit ça, je vais dire, les pral gagne ont influence sur le dossier. Donc, permettez-moi de garder, répondre à une question et qui peut-être capable de préjudicier à venir un dossier qui est en cours. Mais de manière générale, et quelle que soit la qualité de dossier, sous des dossiers qui ont été spécialisés, ils demandent support et experts, par exemple des sociologues, des psychologues, anthropologues et des comptables, par exemple. Oui, parce que, pas oublier que la justice, c'est d'abord un élément social lié qui permet que vous régulez la société, ou juger la société par rapport au fonctionnement du corps social. Or, ou pas capable fait la justice sans que ou pas gagner l'autre expertise en dans société à qui pour permettre justice là les bien faite. On prend un exemple qui est simple. Yo men au monde devant, yo dit que monde ça c'était il était zombifié. Et que et ou même ou ka aller son enlèvement. Ou capable prendre par exemple ou ka considérer infraction enlèvement. Et ou capable considérer infraction séquestration. Mais ou besoin ou gants
ou besoin prêtre vaudou, ou besoin un anthropologue, ou besoin un psychologue, ou besoin un sociologue qui pour permettre que au moins ou gagner et toute information nécessaire qui pour permettre ou traiter dossier jusqu'à ce qu'on capable arriver qualifier de et infraction pour dire mais qui infraction liée, mais qui infraction que le bailler. Donc juge pas qu'à travailler pour compte, juge pas qu'à travailler sans spécialisation, juge pas qu'à yo même pas spécialisé. Mm-hmm. Et c'est peut-être une abrigo même système là. Il y a juge pas qu'à pas spécialisé ou pas qu'à et pour un juge là, c'est avec petit code pénal là, petit code d'instruction criminelle là, sans qu'on pas et armé juge là de notre gros outil technologique yo, qui pour permettre que juge a fait travailler efficacement. Et je veux dire, code pénal là, code d'instruction criminelle là, plus monde quoi au dépassé. Réalité à quitter. Yo. Ah oui, m'a profité dit population que Anama avec dans l'école magistrature on a un gros débat le 28 septembre sur cette question de code pénal et de code de procédure pénale parce que il y a une commission qui travaille sous code là qui a un projet de code pénal qui déjà dans le parlement les différentes commissions de justice dans le parlement soit au Sénat de la République ou à la Chambre des députés il y a un travail sur lui. Jusqu'à présent, c'est dans les tiroirs. Il n'y a pas qu'on vote. Il y a du travail qui peut faire sur lui toujours. Il y a de réflexion qui peut faire sur lui toujours. Donc, il y a fait de réflexion et sur lui. Et que tu as voté pour nous sortir dans le code 1835-1836, qui l'a longtemps, et le code napoléonien, qui dépassait, je dis, et qui permet que nous. Qui fait tout en lenteur dans le travail magistrat. Et des fois, magistrat est obligé d'aller dans la convention et que Haïti ratifie, qui pour permettre que nous, surtout dans la question de droit de l'homme, et parce que le droit de l'homme évolue en pile, et Haïti ratifie en pile convention, par exemple, convention sur le droit timon, donc qui permettent, je dis, avec convention, nous arriver nous-mêmes, magistrats, parce qu'ils viennent entrer en dedans et législation noire, qui permettent que je dis que nous sommes capables de juger, plus ou moins, mais avec nouveau code pénal et nouveau code de procédure pénale là, ça permet que nous gagnons 11 outils qui pour permettre que nous juger jeudi avec beaucoup plus de science, avec beaucoup plus d'ouverture et sans que nous pas et référer nous dans l'ancien code qui permet que justice la bloquée. Mm-hmm. Parce que en ce qui est code, il a bloqué justice là. Il y a un bagage qui t'a dû faire jeudi à ce tel cas, mais à cause que code là. Les bloquer où? Il pas répondre. Ouais. Par exemple, pour un dossier de crime financier, code là-bas où 2 mois pour faire instruction et 1 mois et pour rendre ordonnance. Donc, aussi, on conscrit non temps de 3 mois. Un crime financier qui demandait en pile et recherche, qui demandait pour des consultations, en pile expert. Qui m'a dit pour faire des enquêtes, tant en Haïti, des fois, ou qu'à déplacer ou aller et à l'étranger pour aller en question d'entraide avec l'autre et pouvoir judiciaire dans l'autre pays pour capable faire dossier avec un pile science, ou, comme je dit d'ailleurs. Donc, ou pas qu'à gagner seulement 3 mois et quoi de là-bas 3 mois, son blocage. Mm-hmm. Et des fois, ou obligé. Oui, fait dossier et des fois dossier il compte bâclé. Il compte bâclé et des fois c'est ça qu'on fait et l'arrivée à la cour d'appel, le dossier juge a cassé. C'est pas parce que le juge n'a pas gagné compétence, c'est pas parce que le juge n'a pas gagné, il n'a pas qu'à faire travail, mais une pression temps fait que le juge n'a pas qu'à faire travail et ça fait que je dis à là, l'important que vous votez nouveau code pour le juge a plus temps. Plus latitude pour que les capables fassent travailler. Mais n'importe plus dans ça, quand on gagne le dossier tout qui dans le cabinet jugé, puis on pas traité avec célérité, on pas traité avec temps ça mandé, et qui compte fait que justice a bien plein tout pour ça. C'est vrai, il y a un pile dossier qui pas traité avec célérité. Mais on prend le cas de bon, comme comme port de paix pas gagné même quantité de
crime que Port-au-Prince, mais pas de paître. L'opre juridiction, ça, ou prend une juridiction, par exemple, comme et Fort Liberté, et nombre de juges d'instruction gagnés en dedans et tribunal là, fait que tribunal là n'est pas capable de un dossier particulier, et bien en priorité. Surtout les gens en prison. Donc, faut que le juge là, il traite tout dossier avec même regard. Or, tant que le juge a gagné pour le traiter dossier, il n'y a pas en pile et dossier en pile. Par exemple, dans Port-au-Prince, il y a des juges qui ont 135 et même 200 dossiers dans le cabinet. Ah bon? Ah ouais? Et qu'on a 200 dossiers dans le cabinet. Ça y vaut déjà. Et est-ce que faut me dire greffier maintenant pour me demander combien de dossiers me gagne, car le greffier est le dépositaire de tous les dossiers. Donc c'est lui qui gagne et c'est lui qui connaît combien de dossiers gagne, parce que c'est lui qui bon dossier pour mon travail, c'est lui qui dit magistrat tel dossier qui fait. Donc on va pas dire exactement combien de dossiers me gagne, mais me connaît que de cabinet d'instruction qui gagne plus de dossiers. Et puisque cabinet a gagne plus de dossiers, si juge la vienne jeudi a dit bon, m'attendez trois mounes. Il doit prendre dossier pour là, il prend dossier caméraman, il prend dossier machiniste là, il prend et dossier chef de plateau. Il prend trois. Demain, il prend deux, il prend trois. Mais pendant que le juge l'a traité dossier, ça, le dossier a fini. Pendant que le juge l'a traité dossier, le dossier a fini. Et le dossier, ce n'est pas juste en temps des mounes envoyer l'aller. L'offre de temps des mounes, non? Ou bien il y a nécessité pour faire transport sur les lieux. Il y a nécessité pour demander et expertise aux gens qui connaissent. Il y a nécessité pour que ou tant des parents. Il y a nécessité pour le psychologue pour garder les. Tout ça, c'est temps qui a passé. Or, en Haïti, nous n'avons pas gagné possibilité pour nous bailler une liberté provisoire. Ce n'est pas que la loi pas permettre que nous bâillons liberté provisoire. Mais dès que nous bâillons liberté, nous ne pouvons pas joindre encore. Et les gens qui sont victimes dans lui-même, le temps de juger à la gueule de ça. Et que le juge n'a pas de possibilité pour joindre monde ça encore. Il arrive que le juge dit juge, c'est comme lui prend. On peut aller mettre les gens sous caution. Donc, on n'est pas capable parce que y a un problème d'adresse dans le pays. On prend le cas, on nègre qui commet une infraction dans la cité de Dieu. On peut me dire, il met à la caille. Comment on va le jeune ça? L'aime vrai, l'aime besoin. Oui, quand des sociétés criminelles disent que je suis un et on m'a levé des coups. Ça veut dire que je 80 ans, je suis un cabali, je suis un la caille. Et puis tout, je dis pour venir, l'aime besoin. Mais qui a l'adresse mal chercher? Ok? Mon li grand ravine, mais qui a l'adresse mal chercher? Eh bien, ça favorise les tensions progressives là. Et puis, c'est un problème qui gagne. Avec dit où est que gagnons problème, non, c'est pour le problème la justice. C'est tout le pays qui gagne le problème. Donc, faut pour permettre la justice travaille bien tout, il y a de l'autre problème faut résoudre. Il y a de l'autre problème faut résoudre. Alors, pas résoudre le problème, non, mettez tout sous le juge là. C'est pas possible. Il y a des gens qui pas forcément besoin à la prison. Il y a des gens qui pas tadoué à la prison. Selon moi, la prison, c'est l'exception. Carrément. Mais il y a des gens qui ont dit, bon, écoutez, vous pouvez rentrer chez vous, mais après, l'homme a besoin. Mais par exemple, on a connu que l'infraction faire, l'a condamné quand même. Or, frontière poreuse. On a traversé n'importe quelle frontière, la légèreté. Et sous besoin, pas gagner tout, une adresse pour tout cas chercher. Donc, les gens qui victime non, ou viennent préjudicielle, ou fait que les gens qui commettent action, li aller, li sauver, et les gens qui victime non pas jeune justice. Donc, obligé qu'un des gens des fois en détention, de manière pour capable faire dossier à aller. C'est pas qu'on peut faire aller vite, ou qu'on peut faire dossier dans 3 mois, mais le nombre de dossiers qu'on gagne, on peut faire tout dans 3 mois. Et ça a augmenté la population carcérale là. C'est normal. Mais moi, ça prend combien de temps pour un juge travailler son dossier? Non, ça va dépendre de complexité infraction. Il y a des infractions qui sont moins complexes, qui permettent qu'on aille très vite. Mais il y a des infractions tout qui demandent expertise, qui fait que on est obligé de prendre un petit temps pour ça.
Maintenant, qui puis par rapport à notre pouvoir, comment nous le pouvoir judiciaire là, je veux dire. Bon, pouvoir judiciaire là, pour moi-même, c'est le plus gros pouvoir qui existait. C'est le plus gros pouvoir qui existait. Mais dans les faits, dans la réalité, ou bien dans la loi. Dans la loi. C'est le plus gros pouvoir qui existait. Parce que c'est le pouvoir ça qui est là pour sanctionner tout le monde qui commet infraction. Mais dans la réalité, est-ce que moi même interrogé, est-ce que c'est pas à raison ou à tort ou intentionnellement le quimbé pouvoir judiciaire là non précarité pour permettre que et yo non pour permettre que pouvoir pas qu'à fonctionner sans pour fonctionner normalement. Mais pour moi-même, c'est plus gros pouvoir, et pour la loi tout, c'est plus gros pouvoir qui existait, pouvoir judiciaire là. L'on paraît aux États-Unis, donc aller et en France, et dans même tout l'autre pays, et le pays voisin, et où est que l'on magistrat et l'on monde, la table sur dossier, il y a deux bagailles que mon nom gagne en tête. Premièrement, mon nom concrète, mais deuxièmement, mon n'a connaît que c'est l'application de la loi qui a fait, pas un abus qui a fait. Donc, ça a passé là aux États-Unis avec les dossiers ingérence russe là, le dossier Donald Trump là. C'est ça, ça c'est la justice. Et nous voyons que le président est américain, il était adopté, il prend plusieurs décisions et que citoyens, ils ont allé devant la justice et la justice rend des décisions. En fait, le président de la République là, pas capable pendant un temps mettez et décision les dépenses sur l'immigration en application parce que le pouvoir judiciaire c'est le plus grand pouvoir. Comment rendre qu'on a pouvoir ça fonctionnel dans un pays tant qu'au Haïti en indépendance, c'est l'idéal quand même. Oui, c'est l'indépendance. L'indépendance d'abord c'est juger pour d'accord que indépendant. Moi-même, moi son juge indépendant. Tu assumes ça? Ah oui, moi son juge indépendant. Ok. Et parce que moi je crois que les que y a bon y a un dossier pour me traiter moi la loi dit moi pas doué pas impressionner mes personnes monde la loi dit moi pas que doit faire personne monde abus m'a fait exactement ça la loi dit me faire premier bagaille qui font juger les pendant faut que les d'accord appliquer la loi dès pour pas d'accord appliquer la loi ou pas qu'à être pendant si on favorise un monde ou pas indépendant. Si ou a couton monde pour faire l'autre monde abus ou pas indépendant. Donc l'application de la loi fait juge là indépendant. Ça c'est pour juge. Yeah. Pouvoir judiciaire là pour le indépendant. Faut que je dis c'est SPJ a li traité d'égal à égal avec l'autre pouvoir yo, pour que yo mette en dans budget yo, moyen pour ces SPJA joindre suffisamment l'argent pour faire le système de marché. Ces SPJ pas doit rester avec l'autre pouvoir. Ça ne veut pas dire pas une collaboration qui existait. Ils tout fait partie de l'État. Mais dans l'État, il y a trois gros pouvoirs. Donc ces SPJ n'est pas là pour le président de la République, il est l'élevé, il fait n'importe quoi. CSPJ a pas là tout pour que lui recevoir énorme de parlementaires de dossiers pour favoriser tel ou tel monde. CSPJ a là, je dis pour le réguler système là, faire système là fonctionner et exiger que de moyens pour système là fonctionner. Ça c'est ça qui va le fait que nous gagnons indépendance. Et puis bail juge moyen et toute l'attitude pour yo travail dans application de la loi. Lorsqu'on juge pas travail selon loi, c'est pour ces SPJ prendre mal courage les pour sanctionner juge là. Car ces SPJ là, pardon, ces SPJ là, c'est une institution, son pouvoir qu'il a pour non seulement permet le juge là bien travail, mais c'est un gendarme lié tout. C'est ce que j'ai son gendarme lié tout, lié là pour sanctionner magistrat, les magistrats, les mêmes a fait dérive. Alors, il faut que vous fassiez attention. Oui, il faut que vous fassiez. Et je dis à moi,
bail CSPJ à crédit et équipe qui a fait certification, moi ouais, il travaille sérieusement pour certification parce que Anama demandé ça. Dernier gros juge récemment qui est monté au créneau par rapport à un dossier que tu as gagné et c'est ce qui a maltraité le dossier, tu as même demandé de vous mettre sous côté. Il y a des cas comme ça que nous au niveau de l'ANAMA et qu'on a travaillé sur eux. Et que pas fait personne à but tout dans le team. Comme si dossier juge là. Dossier juge là, aussi dans le système là. Il estime que ben, il y a des avec le fait, pas ta douée, fait que toujours été. Et lui-même, il vaut pied sur ça. Bon, ça qui arrive, je ne pas qu'on est qu'à et directement. Même seul, ça me croit. Je crois que ce n'est pas conseiller qui a fait une certification. Il y a des monde que yo prend qui formait un conseil, un centre qui a de traitement des dossiers, qui a pour faire une certification juge. Et si ça t'arrive, juge là, il a pas senti il gagne une erreur que il fait dans certification, juge là capable à le contester et juge là tout capable venir dans Anama et nous là pour nous capable encadrer juge là à regarder qui ça fait dans dossier qui pas ça. Donc il a pas là pour faire juge à but tout. D'accord. Parfait. Là maintenant, il y a une question commission présidentielle et commission pour juge par rapport à des dossiers de nomination, des dossiers qui t'adouent en attente. Nous avons des représentants de l'association magistrat professionnel, magistrat Wando Servier, qui parle en pile de sa semaine ça. Qui ça nous mène dans le niveau à la manière comme donnée et CSPJ tout a une lettre ouverte à la président de la République. Oui, alors, c'est la toute la question relative à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il y a une chose qui doit changer, c'est cette question de commission présidentielle. Et il y a une plaidoyer que Anama a fait, c'est que il a changé la loi pour permettre que et reconduction juge là automatique si juge là pas gain plainte, si juge là pas gain de infraction que il commette, il faut que automatique. Parce que il doit bail CSPJ a possibilité tout pour celui même qui fait nomination juge sans que nous pas besoin de passer par l'exécutif. Je dis qu'est-ce qui arrive? Loi 2007 l'a dit que c'est CSPJ qui pour étudier dossier juge là. L'elfine étudier dossier juge là, il fait de recommandations bail exécutif là pour nomination. Exécutif là pas l'autre bagaille pour le faire, c'est nommer. Il n'a pas gagné pour lui-même pour le fond contre-étude de dossier. La loi n'a pas bail ça. Ah bon? Non. La loi n'a pas bail exécutif la doit pour le faire ça. C'est nommé seulement. C'est nommé pour le nommer juge là. Et ça fait CSPJ doit être sérieux. CSPJ travaille et de certification doit être faite. Doué, des bons juges certifiés, et vous voyez l'exécutif là, sont formalités liées. Et si l'exécutif a une objection par rapport au nom que l'OUE sous liste, est-ce qu'il n'a pas fait part d'objection à CSPJ? Oui, il doit dire CSPJ que moins gagné de problèmes par rapport à tel juge, mais ça doit être motivé. C'est pour bagage personnel, bouchon ça. Ça doit être faut argumenter. Oui, motivé, argumenter, dire mais ça gagne. Mando CSPJ, en attendant que je fais ça, mando font enquête approfondie pour moi. C'est CSPJ qui gagne pour faire enquête approfondie. Mais exécutif a gagné pour ça. CSPJ, si exécutif a gagné, on va gagner que le motivé, vous voyez, bah, CSPJ. Mais cette question, qu'un de ces juges-là, pas nommé, fait marchandage avec elle, pour une raison ou pour l'autre, ça c'est inacceptable. Combien de juges la situation ça veut dire? Ah oui, à peu près, on peut dire même plus que 100 juges qui sont dans ça. Et faut me dire, dernièrement, c'est 40 juges nommés. Il y a des juridictions qui comptent seulement 5 juges. Et puis, mandat, toutes 5 juges à fini, oui. Ça veut dire que je pas en fait travail. Non, les juridictions bloquées. Si les juridictions bloquées, pas de la justice, pas de la justice qui a distribué la juridiction, ça, parce que si pas de juge qui a un mandat, et depuis le mandat, on finit, vous faites pour camper. Ou pas juge encore. Donc, je pense que faut question ça pour le résoudre. Et je dis à Gapil Moun qui jetait les questions sur le président de la République,
moi plus t'avlé quoi le contraire. Moi plus t'avlé quoi le contraire. Moi pour pas plus t'avlé quoi le contraire. Parce que la Constitution dit que le président de la République, c'est le garant de la bonne marche de toute institution. Enfin. Par quoi le président de la République là, t'as pas le bloquer en institution, t'as pas le bloquer en pouvoir pour pouvoir pas fonctionner. Mais comme et la présidence au gros tonton institution, la présidence, je pense que si que l'autre monde qui en dans la présidence là, qui ne travaille pas au bureau, il a fait travail. Et si le dossier est arrivé vraiment sous le bureau président de la République là pour signature, moi, tu voulais quoi que le président de la République là t'a signé. Là maintenant, nous allons dans la nouvelle année judiciaire, ou bien des souhaits particuliers pour année ça et maintenant, pour le premier bagage que moi, tu as souhaité faire comme souhait, et je ne vais pas même dire son souhait, c'est à donner une exigence. Pour que le palais national fasse rapide, pour ne pas bloquer le système. Juge que CSPJ certifié, mettez son liste, voyez bali, nommé. Et si que tu as gagné un bagage, li t'a gagné comme réserve, dit CSPJ, prend de mesures de mise en disponibilité. Et seul CSPJ qui a fait ça. Provisoire, selon que la loi bali, il faut le faire. En attendant que CSPJ lui-même t'a décidé et camper juge ça, si juge ça t'accompagne. Mais il faut que vous nommez juge, il faut que vous ayez commission. Deuxièmement, je crois que gagner en particulier, pendant parler de commission, il y a arrêté qui t'a dû nommer de juge à la Cour de cassation. Le Sénat a fait travailler lui longtemps. Il a envoyé liste de. Et magistrat que et présidence là t'a doué prendre la dedans pour nommer à la Cour de cassation qui je dis a fonctionné avec 5 grands magistrats. Donc même quand vous avez la candidature tu es des président commission. Oui, parce que entre temps gain l'autre mandat qui a fini. OK. Donc Cour de cassation presque campé totalement. Coup de cassation presque campé totalement, malgré appel à la candidature là, peut-être sur l'autre émission, que j'ai des réserves sur certains points. Ah bon? Ouais, j'ai des réserves sur certains points. Par exemple. Est-ce que ne fait pas de réserve ça, sénateur, sénatrice par exemple? Et oui, nous gagnons pour nous rencontrer, commission, hein, et pour nous faire le part de réserve là. Ok, un succès, tu succèdement, c'est ça? Succèdement, ils nous ont demandé pour qu'un avocat qui gagne 10 ans capable de postuler pour venir juge à la Cour de cassation. Premier job, et oui, un avocat pour le juger, c'est dans le niveau suprême. Puis, quoi, ça, juge à donc, nous trouvons que. Ça a un petit problème, donc je pense qu'il faut que nous t'aurions et permettre que magistrats professionnels, magistrats d'expérience, qui est prouvé pour une question de carrière aussi, c'est eux-mêmes qui t'a donné gagner possibilité pour aller à la Cour de cassation. Or, il y a moins de 10 ans pour un magistrat, 10 ans pour un avocat, ou 7 ans pour un monde qui sorti à la Cour d'appel. Et pour un juge aller à la Cour d'appel, il a besoin de 7 ans en première instance. Donc, magistrat n'a pas besoin de 20 ans, 25 ans, et même 30 ans, même pour le capable, pour une question de carrière, arriver dans la Cour de cassation, un avocat a besoin de seulement 10 ans. Donc, je trouve que c'est à corriger. Je trouve que c'est à corriger. Donc, nous pouvons aller rencontrer et solliciter et on rencontre avec la commission et justice et sécurité publique au Sénat pour nous poser des questions sérieuses et pour nous donner quelques corrections capables de porter avec ça. Voilà, alors c'est de soi ça pour la commission pour juge et puis pour cours de cassation, quand tu as dû pour aller judiciaire à la différence. Oui, et juge le moyen, hein, parce que ce salaire, hein, ouais. C'est pas un salaire qui est capable de permettre aux magistrats de vivre. Donc si, imaginons que tout fonctionnaire, il y a augmentation de salaire à partir de coût de la vie. Donc, nous voyons comment coût de la vie là, je dis, et nous avons un salaire qui datait de plus de 8 ans. Donc, ce salaire, il n'est pas capable de permettre que nous vivions. Donc, nous avons exigé un meilleur salaire. Bon, c'est clair. Chaque fois, la justice a marché bien et c'est pas pour bien payer. D'ailleurs, la justice élève une nation.
Ah oui, donc tout pays côté justice la penché, c'est ouvert tout, il fait et agréable, son côté qui est agréable pour vivre. Profiter de l'antenne, vous me dites, nous toutes merci. Et aussi pour me souhaiter à tous les collègues magistrats mieux une heureuse année judiciaire. Ça fait combien de temps dans le système d'amètre 8 ans. 8 ans. Voilà, notre invité ce matin, magistrat Jean-Wilner Morin, juge d'instruction de son état. C'est avec lui, nous avons battu bouche. La mise au point ça, regardez le système, le problème qui gagnait, et puis qui sa recommandation, ça capable de permettre que le système fonctionne et réponde, n'est-ce pas, à sa population, très certainement, et en vertu de ça, la loi, tout le monde est prouvé. Merci tout le monde qui t'a suivi, nous sommes avec nous en direct, parce que tu as passé une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt.